Sous la terre se cache un trésor et la vie d'un homme. L'histoire hors norme d'un artisan des Trois Moutiers qui, en 1975, entreprit une œuvre monumentale. Faire renaître la cour aux moines. Pas de vacances, la cave, le développement. Ouais. Ah si, j'ai bossé là-dedans comme un gros malade, hein. Par passion. C'était pratiquement bouché ici. Le puisard était plein jusqu'en haut. On pouvait passer ici en se glissant sur des gravats. Ça a été une grande poubelle, ça, pendant des années, ça. Quand il entame la restauration de sa maison, Jean-Bernard Rousseau débute aussi les travaux dans cette cave. Sur 1500 mètres carrés de galerie, il va enlever des tonnes de pierres, mettant au jour, au fil des années, l'histoire d'un lieu singulier. C'est des mangeoires, avec des restes, des os, tête de hache. Ça s'est appelé la cour du Maine, et après ça s'appelait la cour du moine, des moines. Alors est-ce qu'il y a eu des moines ici? Pourquoi pas? Mais il n'y a rien de sûr. L'endroit pourrait dater du Xe siècle. Mais sur son origine, les écrits sont rares. Connu des seuls initiés, il a pourtant attiré pendant des décennies historiens, spécialistes de l'occulte ou chercheurs de trésors. Il y a eu ceux qui recherchaient le trésor des Templiers déjà, plusieurs fois. Ils sont passés là, fouillés, enfin, avec la poêle à frire. Dans ces souterrains, Jean-Bernard Rousseau n'a lui jamais trouvé de trésor. Oh, le froid, dis donc. Mais il a découvert les traces de ce qui fut peut-être un monastère. Alors, ce sont des croix de consécration. Ça veut dire que le lieu a été consacré. Par qui? Bon, on ne sait pas, par un curé. Et l'hôtel? On peut s'imaginer plein de trucs, là. On peut rêver, là, non? Regarde toutes ces traces là, de rouge, là, c'est quoi ça? On sait pas trop, hein. Un temps loué pour des réceptions, le lieu a aussi accueilli des mariages. Celui de Jean-Bernard Rousseau, de deux de ses filles également. Ah, il y a des belles fêtes, là. Ouf, oui. Dans ces galeries sommeillent donc des souvenirs et quelques regrets, comme celui de n'être pas allé un peu plus loin. Encore beaucoup de travail à faire, là. Faut virer tout ça, quoi. Mon rêve, moi, ça aurait été de finir tout ça, tu vois. Aller jusqu'au fond, là, parce que là-bas, on va vachement loin, après, là. Mais bon, c'est un boulot de fou, quoi. Bah, faire ça à la brouette, t'imagines, toi, quand il faut grimper, là. Bah, je le fais, moi. Ouais, mais il y a 30 ans, hein. Maintenant, je peux plus, attends, là où je suis. C'est dommage. Si j'avais pas acheté, c'était mort, ça. Ça aurait été à l'abandon, cassé, ça aurait été fini, ça. Je veux pas une médaille, mais j'ai sauvé le patrimoine quand même. Un petit patrimoine, mais enfin, c'est pas mal quand même. C'est bien.